quel bonheur, chers amis de Sabbat d'Élise, de se retrouver pour ce moment tant attendu de la semaine, le sabbat de l'Éternel. Tout comme nous, vous n'avez qu'une hâte, célébrer notre Créateur. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Amis du monde entier, avec un soupir, un murmure, un souffle d'un cœur brisé, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Car il a pris le poids de nos erreurs et il promet de restaurer nos cœurs. À celui qui a pris nos larmes et nos douleurs, celui qui nous tend la main, celui qui nous donne tout son cœur, par un soupir, par un murmure, par un chant. Adorons-le, Sylvie. Oui, Dominique, mon cœur tressaille de joie. Notre bon Sauveur a conduit nos pas durant cette semaine et il nous accorde ce privilège de nous retrouver avec nos chers amis de Sabbat d'Élise, à qui je souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Nous avons choisi de suivre tes lois en nous appuyant sur ton bras. Nous te prions, Seigneur, en ce merveilleux jour, de guider nos pas en ce bas lieu jusqu'au jour où ta faveur nous ouvrira enfin les cieux. Car nous reconnaissons que seuls nous ne pouvons avancer à cause de la peur qui nous assaille quand nous voyons l'abîme. Que toute gloire soit rendue à notre Créateur, car notre refuge est en lui seul. Prions donc notre Père qui est aux cieux, afin qu'il envahisse l'atmosphère de sa présence qui nous fait tant de bien. Tendre Père éternel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté se fasse sur la terre comme dans le ciel. Tu es le Dieu créateur, celui Seigneur qui a créé le ciel, la terre. Tu es le Dieu du ciel. Tu es celui qui fait, qui renouvelle, qui restaure, qui guérit. Tu es celui, Seigneur, qui nous soutient chaque jour. Merci pour ce sabbat. Merci pour ce jour que tu as mis à part. Et que ton nom, Seigneur, soit élevé et glorifié dans nos vies. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Pécheur, viens de
D'être constamment exposé au vent, au temps, aux tribulations, l'humanité entière soupire après le bonheur. Il s'avère que le bonheur soit devenu un des sujets les plus étudiés. En effet, bon nombre se dirigent en librairie vers des livres spécialisés, sur le net, les réseaux sociaux, afin d'être le premier à trouver ce produit tant convoité. Le bonheur. Reconnaissons, Sylvie, que trouver le bonheur dans une société comme la nôtre n'est pas du tout négligeable. Et le consommer sans modération ne relèverait en aucun cas de l'intempérance, mais juste d'un instinct de survie. En effet, Dominique, pour développer encore cette réflexion, après une petite enquête sur ce sujet fortement prisé, de nombreuses études sont effectuées afin de lister les pays les plus heureux du monde, ainsi que les facteurs contribuant à parvenir au bonheur. Et chaque année est publié le World Happiness Report. Remarquons que cela semble un peu délicat tout de même. Et j'ai été interpellée sur le choix des critères retenus afin de déterminer les pays les plus heureux du monde. Des chercheurs actifs, en quête de trouver cette perle rare, ont sélectionné des éléments contribuant à identifier une série de facteurs clés du bonheur, comme le produit intérieur brut, l'espérance de vie et l'aide sociale. Et figure-toi, Dominique, qu'en 2021, la Finlande, le Danemark, la Suisse, l'Islande et les Pays-Bas étaient en tête de cette liste. Les moins heureux étaient l'Afghanistan, le Zimbabwe, le Rwanda et le Botswana. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles, à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui, par ta droite, les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines, ils sont sur nos pas. Déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau zaguet dans son repaire. Lève-toi, Éternel! Marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main. Éternel, des hommes de ce monde, leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image.
que Dieu a créé. Mon âme se réjouit d'une joie dissible. Je n'ai pas de mots pour décrire ces merveilles. Je préfère alors donner gloire au Seigneur, parce qu'il est le Créateur de la terre, parce qu'il est le Créateur de la mer. À l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. J'ai pu aussi noter, Sylvie, qu'Eric Weiner, dans son livre « Les secrets du bonheur », déclare que les pays riches ont tendance en effet à être plus heureux, mais qu'il faille aussi prendre en considération d'autres paramètres tels que la famille, les amis ainsi que la gratitude. Alors je me suis demandé si le bonheur dépend du lieu où l'on vit. Lorsque je suis tombée sur la déclaration du philosophe français du nom de Blaise Pascal qui dit « Nul ne peut être heureux comme un vrai chrétien ». Alors que beaucoup pensent que le christianisme rime avec affliction, épreuve, et qu'il s'avère impossible qu'il puisse y avoir une place réservée au bonheur dans la vie d'un croyant, la vie de ce dernier étant constamment animée par les épreuves. À cet effet, avec le temps, j'ai compris que ces épreuves permettent à chacun de vivre son expérience spirituelle avec le Seigneur et que je ne saurais les définir comme des entraves au bonheur. Et pour aller encore un peu plus loin dans la réflexion, je reste convaincue que le passage par ces épreuves, souvent dures et douloureuses, ne peuvent qu'affermir la foi et transformer les caractères à la ressemblance du Christ.
Ainsi, je conçois que la religion ne soit pas perçue comme un obstacle qui réduit considérablement le désir de vivre. D'ailleurs, j'aime à croire qu'une telle pensée éloigne de la vérité. Car quel que soit l'endroit où le chrétien se trouve, l'état de son compte bancaire, le niveau d'expression de son pays, il trouvera toujours cet endroit où règne cette vraie joie, Sylvie. J'aimerais ajouter à ce propos que les apôtres n'ont pas perdu leur joie face aux outrages pour le nom de Jésus. Selon Actes 5, verset 41, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Plus tard, alors qu'ils étaient emprisonnés injustement, Actes 16, verset 25, il est écrit que, vers le milieu de la nuit, Paul Silas priait et chantait les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Même troublé, malade ou au chômage, le chrétien est toujours vêtu d'un habit de fête. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous et de partager cette petite méditation. Je crois qu'il est essentiel pour nous de nous retrouver à la fin de chaque semaine pour pouvoir ensemble vraiment exalter notre Dieu en son Saint-Sabbat. Parce que c'est ce Dieu qui fait véritablement de grands miracles et vraiment qui montre sa grande compassion envers chacun de nous. J'aimerais même dire que c'est ce Dieu, lorsque véritablement il agit en chacun de nous, c'est ce Dieu qui sauve parfaitement. Et pour ce soir, je vous invite à voir un peu l'expérience du peuple d'Israël, et plus particulièrement dans le livre d'Exode, au chapitre 20. Et nous allons considérer les versets 1 et 2. Exode, chapitre 20, les versets 1 et 2. Voilà ce que le texte nous dit. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et sur d'autres traductions, on pourra noter où le texte dit « C'est moi qui t'ai fait sortir du pays de servitude. » Au fait, nous comprenons que ce Dieu en tout temps a toujours pris l'initiative de venir vers chacun de nous, de venir de là où nous sommes pour nous sauver. Et avec le peuple juif, le peuple d'Israël qui se retrouvait en esclavage en Égypte, ce peuple qui s'était véritablement détourné de Dieu. Il se retrouvait en quelque sorte dans l'idolâtrie en Égypte. Dieu va faire un grand miracle en extirpant le peuple de l'Égypte et pour pouvoir prendre soin de lui. Ce peuple va se retrouver maintenant au pied du mont Sinaï où le Seigneur continuera à prendre soin de lui. Et par rapport au texte que nous venons de lire, le Seigneur lui dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Israël ne savait où porter la tête parce qu'il avait mis en oubli le vrai Dieu. Et maintenant, Dieu veut qu'il ait une nouvelle identité en lui, que véritablement qu'il soit son peuple et que lui, il soit leur Dieu. Ainsi, Dieu est celui qui vient vers l'homme, qui vient vers chacun d'entre nous pour nous sortir de l'esclavage. Et c'est ce que, au fait, en envoyant Jésus dans ce monde, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Nous recevons une nouvelle identité au regard de la justice du Christ pour être libérés de l'esclavage du péché.
Le Seigneur continue en disant, « C'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte. » En effet, le peuple avait du mal à avoir cette vision de la personne de Dieu. Et Dieu va prendre véritablement en main l'initiative de l'arracher de l'esclavage et de pouvoir le conduire au pied du Sinaï. C'est Dieu, chers amis, frères et sœurs, qui prend l'initiative de venir à notre rencontre. S'il ne le fait pas, alors nous sommes en quelque sorte perdus. On se retrouve toujours plongés dans l'esclavage du péché. Alors, ce soir, nous voudrions prendre ce temps pour dire merci au Seigneur. Merci d'avoir porté la justification à notre niveau. Mais Dieu, il est ce Dieu qui sauve, et quand il accomplit son œuvre en nous, il va jusqu'au bout. C'est aussi ce Dieu qui cherche à nous donner un style de vie, un Dieu qui cherche, voilà, à nous sanctifier. Et Dieu va accomplir parfaitement cette œuvre pour le peuple d'Israël. Et retenez que lorsque Dieu s'adresse ainsi aux enfants d'Israël au pied du Sinaï, ils ne sont plus en esclavage. Ils sont libérés. Et là, Dieu veut leur inculquer ses enseignements. Les 10 paroles que va prononcer le Seigneur dans le but de les protéger. Mais essayons de comprendre ces 10 paroles d'une toute autre manière. Si nous les prenons dans le sens d'avoir un regard autre et de voir ces paroles comme des promesses de la parole de Dieu. Ainsi, lorsque nous lisons ces 10 paroles, nous pouvons voir ce Dieu qui est là pour dire « Je suis ton Dieu ». Je suis celui qui t'a délivré, qui t'a délivré de l'esclavage, du péché. Et maintenant, je voudrais que tu sois tout à moi. Je voudrais te protéger. Je te promets que si tu marches devant moi, voilà ce qui se passera avec toi. Donc, ces 10 paroles, ce sont des promesses que le Seigneur donne en ce moment à son peuple, pour lui dire, désormais, je serai là. Tu ne seras plus esclave, mais tu seras dans mon garde-fou pour que tu sois protégé. Ainsi, chers amis, frères et sœurs, dans ces 10 paroles, va se retrouver au cœur de ces 10 paroles la promesse aussi du repos, puisque le Seigneur dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Oh, que c'est beau! Que c'est beau ici! Parce que là, les promesses de Dieu sont réelles et cette promesse aussi de ce sabbat pour nous donner un repos tant que physique que spirituel, de façon à ce que nous puissions continuer à grandir pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ce soir, j'aimerais vous inviter tout un chacun à regarder à ce que le Seigneur a fait. Premièrement, il nous extirpa de l'Égypte. Pour chacun de nous ce soir, c'est le fait d'être libéré de l'esclavage du péché. C'est en quelque sorte, c'est cette justification que l'Éternel apporte à chacun d'entre nous. Et le fait que Jésus y soit venu dans notre monde pour nous apporter ce salut, eh bien, il y a toute la matière en ce soir de venir pour exprimer notre reconnaissance pour cette justification. Et retenez que, de même que le peuple qui se retrouvait en Égypte, n'a rien fait pour être libéré. De même, aujourd'hui, pour chacun de nous,
Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit. Il suffit tout simplement de dire « Oui, Seigneur, je veux t'être libéré. Je veux que tu me prennes en charge. Je veux que je sois libre. » Et grâce au mérite de Jésus, grâce à la justice du Christ, les choses sont possibles. Et cette deuxième phase, c'est de nous dire « Je ne vous laisserai pas tout seul. » La promesse de Dieu, les promesses de Dieu au regard de ces 10 paroles pour nous dire « Je serai là pour pouvoir t'accompagner. » Voilà, ce sont des promesses pour chacun de nous. Alors, ce soir, nous pouvons venir tel que nous sommes, puisque Jésus l'a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et je vous donnerai du repos. Tel que nous sommes, nous pouvons venir. Et Jésus, il est prêt à faire le reste pour tout un chacun de nous. Voudriez-vous en ce soir dire « Oui, Seigneur, je voudrais être sauvé parfaitement. Et je sais que tu es venu en la personne de Jésus pour me libérer et pour m'accorder de nouveau un style de vie qui permettra de dire que véritablement, que je suis libéré. » Oh, ce soir, je voudrais prier avec vous. J'aimerais que le Seigneur véritablement tourne sa face sur chacun de nous et que nous puissions vivre ce moment grand, ce moment de repos, repos spirituel, qui est en quelque part un avant-goût de ce repos éternel qu'il veut donner à tout un chacun. Prions ensemble. Nous voulons te dire merci infiniment, notre bon Père Céleste, pour tant d'amour envers nous. Merci du fait que tu es venu, tu as pris l'initiative de venir nous chercher de là où nous étions. Oh, à l'instar du peuple d'Israël que tu as retiré de l'Égypte, que tu as conduit au pied du Sinaï pour leur inculquer tes enseignements, mais d'une manière toute particulière, tes promesses, leur permettant de comprendre qu'à partir de cet instant, que tu seras là pour les accompagner, les fortifier et les conduire jusque dans la vie éternelle. Nous comprenons aussi que ces enseignements sont pour nous. Nous comprenons que nous aussi, nous bénéficions de ta justice grâce à Jésus et aussi du fait que par ton esprit, nous pouvons marcher sur la voie de la sanctification. Que tu fasses du bien à tout un chacun de nous et qu'en toute chose que nous soyons en mesure de t'exprimer notre reconnaissance pour le fait que tu nous sauves, mais que tu nous sauves parfaitement. Accorde-nous ta grâce et ta bénédiction ce soir, nous t'avons prié, par les mérites de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Appelé par mon nom, tu m'as adopté.
ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Au psaume 45:8, le chrétien exhale toujours. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège pour tes semblables. Mes amis, rien ni personne n'enlève le bonheur que Dieu a placé dans nos cœurs troublés. Il a promis de racheter la joie et l'allégresse les accompagneront, la tristesse et les plaintes fuiront au loin. Profitons de ce bonheur divin, où que nous soyons. Prions avec le prophète Ésaïe, chapitre 51, verset 11. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Thank you.
famille de Sabbat d'Élise. Toute bonne chose a malheureusement une fin. Nous voici arrivés au terme de ce moment convivial d'adoration. Nous vous remercions pour votre présence dans ce Sabbat d'Élise. Notre rendez-vous la semaine prochaine est déjà fixé sur cette même chaîne. Cette émission vous a plu? Alors n'hésitez pas à la liker, à partager à tous vos contacts, mais aussi à vous abonner. Excellent Sabbat d'Élise à tous!